Mathieu est apparu très heureux sur ses réseaux sociaux ce mercredi 11 janvier. L'ex-candidat de l'amour et dans le pré 2020 a révélé s'être débarrassé d'une addiction. L'année 2023 commence sous de meilleurs auspices et ce n'est pas Mathieu qui dira le contraire. À 46 ans, l'éleveur de chevaux est plus apaisé. Fraîchement séparé d'Alexandré, qu'il avait épousé en 2021 suite à leur coup de foudre dans la 15e saison de l'amour et dans le pré, l'agriculteur né ne demeure pas pour autant triste. Les deux gardent de affection l'un pour l'autre et se sont même retrouvés à partager une soirée ensemble peu de temps avant le réveillon de Noël. Si est avec un certain nombre de projets, et une grande résolution, que Mathieu navigue, désormais, seul vers une nouvelle vie. Une habitude qui ne lui manque pas. Après avoir entamé des procédures de GPA, gestation pour autrui, le futur papa se réjouit d'avoir passé un autre cap très important. Il n'y a que lire ses déclarations dans sa story Instagram du 11 janvier, « Cela fait 5 mois sans tabac et que je ne ressens plus du tout l'envie, après 25 ans de fumage, quelle connerie et argent dépensé pour rien », concède l'ex-candidat de M6 se ressourçant actuellement à la montagne. Celui-ci a pris le temps d'expliquer quand et comment lui sont venus le déclic, pensant qu'une telle démarche pourrait être utile au vu de sa grande audience, 179 000 personnes le suivent. Une décision survenue à l'étranger, j'ai arrêté de fumer le jour du départ en Colombie. J'étais à l'hôtel et j'ai d'ici estimé ma dernière cigarette, et je n'ai pas repris, est en mesure d'affirmer le sudiste, parti en Amérique latine en septembre dernier pour réaliser son désir de paternité. Et de conseiller, ce que je préconise si est de commencer quand il y a un changement, si est à dire, quand vous partez en vacances, par exemple. Si vous essayez d'arrêter alors que vous avez la même routine, si est un peu plus difficile, à mon sens. Deux autres facteurs l'ont aussi beaucoup influencé. Si l'enfant qui arrive a été une belle source de motivation, le natif du Gard avait aussi un autre rappel quotidien, « Je me suis fait aider par des patchs. Tous les jours, je l'avais pendant un mois et je le mettais bien visible. Point, mettez des patchs non transparents bien devant vous pour les voir et en les regardant tous les jours, vous êtes en train d'assimiler qu'il faut arrêter de fumer. » Une méthode qui semble avoir porté ses fruits. À lire aussi, j'aurai les résultats d'ici un mois, Mathieu, l'amour est dans le pré, fait le point sur son projet de GPA mis en difficulté par ses maladies génétiques.